Précédemment, dans A Plague Tale Innocence. Allons-y. Mec, c'est énorme. C'est fini. Je peux aller la voir maintenant? C'est le grand inquisiteur qui décide. Mais vous avez dit que... Ce que je dis n'a pas d'importance. Seul compte la parole du grand inquisiteur. Mais ne t'inquiète pas, tu comptes vraiment beaucoup pour lui. Est-ce qu'on joue Hugo ? On joue Hugo ! Oh yeah ! Il m'a fait mal. Je dois trouver ma... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a récupéré du sang, vous pensez ? Il a récupéré le sang, il va donner le malaka à l'inquisiteur. Peut-être que c'est le seul moyen de repousser la maladie. Peut-être que Hugo se retrouve avec un pouvoir anti-peste. Oh mais si je vois flou comme ça, c'est chaud. Ouais. En fin de journée, parfois, ça arrive. Hein. Là, je cours tout doucement, par contre. Quand est-ce que ça va s'arrêter, hein? Bientôt. C'est déjà. L'heure de la conjuration approche. Mais pense à Vitalis, dont Calvert n'est rien à côté du sien. Hein? C'est quoi ça? T'as rien vu? Mais je suis passé devant le gars. Mais en fait, j'ai dit, c'est bizarre, André, qu'il y a un gars là, tu vois. Le mec, le truc, il a 20 millions de kilomètres. Il prend une pelle. Il a vraiment la flemme. Il a vraiment la flemme ultime. Il prend une pelle. Là. Tu remplis une brouette, gars. C'est rapide, hein. Oh. Ah, c'est nickel. C'est tellement grand. Oui, maman. Oh. Matière des matières, or unique. En te brisant, je t'ouvre la voie. La voie vers le sang de l'élu. Je vais le suivre. Je suis tellement petit que je fais vraiment pas de bruit, quoi. Il fait des petits pas, tu sais. Tic 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 tic. Quelqu'un vient. Medicus, que donne le raffinage aujourd'hui? Excellente qualité. Mais la masse des pissenlits pourrait se diminuer. Nos récolteurs se font décimer par les rats. Faites au mieux. La vie du grand inquisiteur dépend de la qualité du distillat. Oh oh oh. Eh, hey, comment je gère la filtration? Il s'entraîne avec sa sœur toute sa vie. La sœur, elle est toujours dans le trou, je pense. Hein. Je pense qu'elle est toujours tombée dans son trou et en train d'halluciner là-bas. Et qu'elle a dû apercevoir que le frère se faisait kidnapper par un garde. Et du coup, elle a pensé à toute sa... tout ce qu'elle a pensé, du coup. Ou alors, elle est vraiment dans... elle est vraiment tombée en enfer avec... Il va bientôt falloir avec des mains qui sortent partout des murs et qui l'attrapent. J'ai failli taper dans la bouteille. Ça aurait pu être dramatique. Parce que pour l'instant, l'infiltration est... Barbare. Nous avons presque atteint l'objectif. Presque parfaite. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Ah ben moi j'ai peur. Hein, t'en es? Ouais. Je suis affecté au parvis de la cathédrale. Ah, ça veut dire que tu seras tout près du grand inquisiteur quand il nous libérera. Alors que moi je serai coincé ici. Oh, on se retrouvera tous après. Quand il nous libérera, ça veut dire quoi ça? Je sais même pas ce qu'ils sont en train de fabriquer ici en fait. Ils fabriquent le truc avec le petit, avec le sang du gamin là. Allez, allez, courage. T'as vu comment?
comment ça filtre, ça refiltre, ça défiltre. C'est juste dans la bulle. On va partir d'ici. On va faire comme si... J'ai eu peur du... J'ai eu peur de la vapeur. Personne t'a vu. Comme Mélie. C'est des pissenlits, effectivement, j'ai... Comment ça ? C'est des pissenlits pour faire une action. Oui, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. La nouvelle peur, la vapeur. C'est pas la nouvelle peur, en fait, depuis... Elle est pas nouvelle, cette peur. Hein. Elle est là depuis Vanish, hein. Cette vapeur. Pour ceux qui connaissent Vanish, ils savent de quoi je parle. J'exige de voir Vitalis immédiatement. Le grand inquisiteur est très occupé. Occupé ? Il est finalement, il est pas si con, Hugo, hein. Il peut s'infiltrer, pas se faire voir, il regarde les trucs qu'il faut regarder. Sa mission n'a jamais eu l'accord de l'Église. Je ne vois ici qu'hérésie et occultisme. Vous le suivez sur cette route infernale. Oh, ça fait peur, le con. Chut, tais-toi. Maman, tu es où? J'avoue que je sais pas exactement où il est, moi. J'aurais adoré que Hugo fasse un petit signe en mode « Mais oui, je me rappelle! Le sous-sol, il est, il faut aller par là, en passant par ici !» Là, pour le coup, je vais juste courir dans l'église de façon assez... C'est trop grand, ici. Garde là. Je sais pas où il est sous-sol. Ouais, Amissa elle a 14 ans, ouais, effectivement. Et elle est très jeune. Ouais, à 5 ans là, il est deux. Mais en fait, depuis le début du jeu, il est pas comme ça. Hein. C'est depuis qu'on le contrôle qu'il est intelligent. Sinon, avant, il était un c'est peu con. Monsieur, c'est qui? C'est l'inquisiteur. C'est qui le monsieur? Eh, hey, monsieur, t'es qui? Imagine le délire. Oh, cinématique. Oh, je vais avancer. Ok. Grand inquisiteur. C'est un Hugo précoce. L'archevêque est arrivé. Parfait. Faites-le entrer. Vitalis. Monseigneur Gautier, avez-vous fait bon voyage? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, monseigneur? Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde? Mais écoutez-vous, vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci... Permettez. C'est important. Nous l'avons, le sang du goût de rune. L'avez-vous testé? Oui, hélas, monseigneur. Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais quelque chose dans son sang a freiné le processus. La macula est toujours dans son état premier. Peu importe. Si les textes sont exacts, son sang et le mien vont être liés. Lorsque l'enfant passera le prochain seuil, je le passerai avec lui. Allez-y. En voilà assez. Vous jouez les martyrs, mais je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou. Même le pape vous voit comme une menace. Vitalis Benevo, vous êtes excommunié. On peut excommunier un homme, monseigneur. Mais pas un saint. C'est la fin de votre inquisition. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Une ère où les pantins comme vous me
me supplieront à genoux de les sauver. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance. Faut juste suivre le mec en armure. Et quand il a dit qu'il était avec nous, est-ce qu'il parlait de moi concrètement? Est-ce qu'il sait que je suis là? Je dois le suivre. Le frère. Il est unique. Il pourrait comprendre. Il parle tout seul quand même là. Unique. Je suis unique. Ta gueule, Kyogo. Bon. Ad Ignem. Ad Lukem. Avez-vous vu le grand inquisiteur? Oui. Le sang du porteur coule dans ses veines. La conjuration aura lieu. Splendide. C'est bientôt la fin du fléau. Exact. Mais nous devons poursuivre nos efforts. J'ai l'impression qu'il va se retourner et va me dire Hugo, t'as vu, c'est ta maman, elle est ici, ok? Un jardin, le ciel. On peut voir le ciel. Oh mon dieu. Nicolas, félicitations pour la capture du petit. Des semaines que nous le traquons. Et il arrive ici en demandant à voir sa mère. Allez comprendre. Le gamin a le sens de l'humour. Il ne va pas le garder longtemps. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Maman, qu'est-ce que tu vas lui faire? T'aimerais pas savoir, mon petit. C'est vrai quand je suis proche du gars, tu sais. Genre, tu sais quand quelqu'un te suit, c'est quelqu'un qui est juste derrière toi, comme ça tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi, c'est, tu le sens en fait. Je sais pas comment expliquer, en fait, on ressent en fait qu'il a une présence. T'as une zone en fait autour de toi qui fait que tu ressens. Donc du coup, impossible qu'un gamin en fait peu aussi brillant qu'Hugo puisse me suivre comme ça. L'enfant s'est livré de lui-même ce matin. Comme je vous le disais, ce garde a été dévoré. Mais pas complètement. Ses os ont été découpés et emportés par les rats. Dans quel but? Pour les incorporer à cette matière que l'on retrouve un peu partout. Vous voulez dire leur nez? Ils utilisent... Techniquement, en fait, des gars devraient me voir. Hein, exact. Bon. Et si nous ne faisons rien, à la vitesse où les morts s'accumulent, ces nids finiront par se rejoindre. Ooh. Pour ne former plus qu'un. Ils feront un méga nid? Je vous le dis. Alors, prions pour que la série... On va passer par là. On va passer par la gauche. Bel et bien lieu. Oui. On va passer par les rats. Je trouverai pas maman sans lui. Oh, des rats sans poils. Dites, vos nouveaux rats... J'arrive pas à vous entendre comme les autres. Vous n'avez rien à craindre d'eux. Des milliers de croisements et un peu d'alchimie ont eu raison de leur... Comment ça, vous entendre? Sans compter un changement radical de régime alimentaire. Ils savent que Hugo est là. Bien. Ils te voient pas, des petits? Ouais, bah quand même. Moi, je fais ninja des gens et je leur fais des frayeurs chaque fois. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi. J'ai entendu la phrase de Hugo, il était pas le dîner, hein. Aide-moi! Aide-moi! Crève en silence! Il y a des gens qui travaillent. Je préférerais qu'il attende un peu. Les rats préfèrent la viande fraîche. Soyez maudits! Vous irez tous en enfer! Vous et vos putains de rats! Il va se tourner à un moment donné? Voilà, vas-y, dégage. Rien alors. Soit. Soit. Faut que je rentre dans le truc de sang là? Ça craint. Iuh, dégueulasse. Ah! Oh mon dieu! Savourez ce repos. Il va chercher maman. Votre mort n'est pas une fin, car votre sang nourrit une nouvelle race. Je le vois à travers les murs maintenant? Qu'ils soient vos enfants. Votre fierté. C'est horrible. Ils utilisent en fait les gens... Oh mon dieu, il est... Ils utilisent les gens pour nourrir le... Pour nourrir les rats avec leur sang. Si elle voyait son fils avec une lame sous la gorge, elle coopérerait. Trouver un chemin.
J'ai vu passer le seigneur Nicolas. La mère de Rune va passer un sale moment. Elle l'a cherché. Une femme aussi savante. Elle aurait dû rejoindre nos rangs. C'est une forte tête, mais pas assez pour résister à notre bourreau. Elle doit être tout près. On peut pas sortir. On peut pas entrer, plutôt. Ah, par pitié. Laissez-moi au moins crever là-dehors. Je t'assure, mieux vaut ne pas être dehors. Au moins ici, ta carcasse a encore de la valeur pour nos alchimistes. Profite. Oh, Ordure. Hé, petit, qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul? Chut, je dois trouver ma maman. Oh, alchimiste. Oh, misère. Tu devrais pas... Je dois partir. Au revoir. Va l'aider. Genre trouver un truc pour l'aider, tu sais, une clé. Connerie du genre. Oh, peut-être m'en voulez-vous encore pour... votre époux. Bien. Notre bourreau va prendre soin de vous. Vous verrez, vous retrouverez vite l'usage de la parole. Oh non, il revient. Cache-toi. Cassandre. Oh, maman. Hugo. Mais... qu'est-ce que tu... Amicia disait que t'étais morte, mais c'est faux. Amicia. Mon petit... S'ils te trouvent ici, ils vont te... Non, je reste avec toi. Qu'est-ce qu'il est con ? Oh, Hugo. Ils ont pris ton sang. Oh, Seigneur. D'accord, Hugo. On va partir ensemble. Mais il faut que tu trouves les clés. Ils doivent les garder dans la pièce, au bout du couloir. Tu crois que tu peux le faire? Alors vas-y. Est-ce que vous pensez qu'on peut libérer l'autre gars? On teste, si c'est possible? Ouais, j'avoue, Geekuz, il se parle tout seul, le mec, il est taré. Fais très attention. Reviens dès que tu as les clés. Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, Seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera, et je vais me faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures, et moi non plus. Oui. Reviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bon, c'est peut-être l'occasion d'une promotion. Oh! Des résultats... Bien. Être efficace. Pas de spectacle inutile. La mère de Rune. Douce en surface. Les couteaux sont aiguisés. Marteau, pince, tison. Tout est prêt. J'oublie rien. Monsieur, ça va? Non, il va pas bien, lui. Il a plus rien. Je sais pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais. Si Amicia était là... Non, j'ai pas besoin d'elle. T'as vu comment il est? Il veut plus parler à sa sœur. Donc c'est pour ça qu'il essaie de faire le grand, là. Est-ce que je peux avancer ici sans faire sonner les chaînes? Ouais, ça va. Ils ont pas poussé le détail, ils ont pas poussé le délire, tu sais, genre, quand tu marches sur les chaînes, ça tombe et ça fait du bruit, tu vois. Les rats! Ils ont tous peur des rats! Si j'arrive à les libérer... Oh, ça c'est pour les cages. C'est pas une question de c'est pas qu'une question qu'ils ont peur des rats. C'est une question que les rats vont les manger en fait, petit. Allez. Vite. Hey, la cage a lâché. Merde, on reste pas là. Allez. Bien fait. Allez-vous-en, vite, la clé maintenant. Bravo. Tu vois, Amicia, maman va... Oh, ma tête. Arrête de crier. De toute façon, les douleurs de sa tête, en fait, il entend la voix de la conscience collective des rats ou un truc du genre, et c'est tout, en fait. Il a jamais réussi à déterminer ce que c'était. J'ai l'impression qu'il va essayer de me bouffer quand même.
Ah! Maman, j'ai réussi. Oh, bravo. Viens vite. J'arrive. Je vais tester un truc. Faut que je vois si ça marche. Eh ben ça marche pas. Démerdez-vous. Ah oui, Dishonored avec les rats, effectivement, il y en a beaucoup et tu peux les contrôler en plus. Doucement. Chut. Ils te feront plus mal, maman. Mon héros, comment tu te sens? Ta tête? Elle parle tout le temps maintenant. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit que... elle veut que je la rejoigne. Le premier seuil. Maman, j'ai peur. On ne sortira jamais d'ici. On n'a pas le choix. Si je suis avec toi, la voix, tu es prêt à lui répondre. Elle va faire exactement ce qu'elle a essayé d'empêcher depuis tout ce temps. Hugo, est-ce que tu les entends? Oui. Eh oh. Ils ont tous la même voix. La voix qui fait mal à la tête. N'essaie pas d'ignorer cette voix. Accueille-la totalement. N'aie pas peur. D'accord. Imperium. Hugo peut désormais contrôler les rats. Maintenez LT pour viser, puis maintenez RT pour appeler les rats à l'endroit visé. Imperium. C'est le sort d'Imperium, c'est un sort interdit dans Harry Potter. Il y a 5 ans, quel contrôle alors, qu'il fait lui. C'est ça ma maladie? Tu n'es pas malade, Hugo. C'est génial. C'est un don. On l'avait tous compris déjà dès le début, mais c'est pas grave. Trouvé. Ou alors, je deviens fou. Tu ne fais pas attention à moi. Ouais, écoutez, cet homme va rester à jamais emprisonné, apparemment. Alors ce garde, je pense que là, on va assister au premier kill d'Hugo. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? Ah ouais, on peut pas leur dire de se suicider, par contre. C'est pas un vrai sort d'Imperium, hein. Normalement, le sort d'Imperium, en fait, tu peux justement provoquer la mort de quelqu'un. C'est pour ça que le sort est interdit. Ouais, je suis en train de vous donner de la logique de Harry Potter dans ce jeu. Excusez-moi. Des rats noirs, merde! À l'aide! Bravo. Ces rats. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Ils leur font manger du sang de gens. Vraiment? Oui, c'est bizarre. Les rats noirs, je les sens, mais pas ceux-là. Je vois. On doit trouver un moyen de sortir. Ouais, donc il y aura une espèce de guerre. Effectivement, il y a quelqu'un qui avait dit dans le commentaire rat noir versus rat blanc. Et effectivement, je pense que c'est ce qui va se passer. Nous, on a le pouvoir naturel et l'inquisiteur devrait avoir le pouvoir totalement pas naturel, tu vois. Donc, on pourrait donc sûrement contrôler les rats chacun de notre côté, d'une façon ou d'une autre. Ça va toujours, Hugo. Je me sens un peu bizarre. Ça va te fatiguer, c'est normal. Dis-moi si ça me va pas. Et pourquoi elle a toujours essayé de l'empêcher d'utiliser le pouvoir? Si le pouvoir est aussi utile. Ah, parce que là, ça change tout, hein. It's a game changer, ouais. You know that? Maman, pourquoi je sais faire ça? C'est...
C'est le sang qui décide. C'est compliqué à expliquer. Mais Alicia, ouais, c'est vrai que les petits. Ouais. Non, je vous expliquerai un peu plus tard. On s'est disputé, tu sais. Ce n'est pas grave, mon grand. Essayons de sortir d'ici, hein. Pense pas à son dos, Virginie, parce que c'est vrai qu'elle est penchée depuis tout à l'heure, mais elle se tient le ventre, c'est-à-dire qu'elle s'est pris des coups. Regarde-moi ses bras, etc. Ça va pas le faire, en fait. Chère Béatrice, vous avez donc enfin retrouvé votre fils. Je sais ce que vous lui avez fait. Vous avez pris ce que vous vouliez, laissez-le partir maintenant. Vous m'insultez, Madame de Rune. Votre fils est le porteur naturel de la Macula. Et elle n'en a pas fini avec lui. Elle? Ce qui veut dire que moi non plus. Mais ça, vous le savez. Vitalis, finissons-en. Nicolas, vous ne pouvez pas comprendre. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas, mon garçon? Nous sommes unis par le sang, désormais. Ah, dit comme ça, c'est bizarre. Qu'en penses-tu, Hugo? Ta famille s'agrandit? Je vous en supplie. Je vous promets de vous aider, mais laissez partir mon fils. Son destin n'est pas d'être un de rune. Son destin est d'être ici, à mes côtés. Vous êtes un monstre. Alerte, alerte. Un monstre. Allons, allons. Vous n'avez encore rien. Non, c'est pas toi. C'est pas toi qui as tué. Vague de rats. Tu n'as plus de raison. Tu es à nous. Ils ont pas compris encore. Vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Je me demande si en fait avec suffisamment de rats, en fait, je peux m'envoler, tu sais. Il y aura une réponse pour celui qui l'a tué. Sois courageux. La prima macula. Elle réagit. Continuez. Arrêtez de me torturer. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est trop tard. Allez. Oui, dévorez. Le seuil t'attend. Pouvoir du rat. Go. Ne l'écoute pas. Ok. Non, Hugo, ne l'écoute pas. Viens à moi. Allez. Hugo, n'oublie pas qui tu es. Tu es le fils du roi. Attends, 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 il y a un archer quelque part. Là. C'est bon, on a failli perdre. On allait faire se faire défoncer par l'archer sans faire exprès. Hugo, réponds-moi. N'empêche que les gardes, quand ils ont vu que leur pote se faisait tuer par des rats, ils ont pas dit en même temps, on va pas y aller en fait. Mais il n'a pas passé le seuil comme nous le voulions. Savez-vous pourquoi? Amicia. C'est... Amicia. C'est fâcheux. Mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Passe du côté obscur, Anakin. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi. Pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Hugo.
J'ai parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver. Damn.